c'est Mir de Gangland, j'espère que vous allez bien. La quête de Aloy se poursuit avec la première et nouvelle extension de Horizon Forbidden West, Burning Shores. Attention par contre, le jeu est dispo uniquement sur PS5 depuis le 19 avril 2023, pas de PS4, et je remercie PlayStation France pour l'accès au jeu. A noter que le DLC débute pas avant d'avoir terminé l'histoire principale. Allez, fini la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous! On a réussi, Varl. On a arrêté les zéniths. On a sauvé la vie sur Terre. Enfin, pour l'instant, du moins. Une autre menace arrive. Je sais pas si on va pouvoir la vaincre, mais... on va la combattre ensemble. Tous ensemble. Repose en paix, Varl. Je reviendrai quand j'aurai un moment. Aloy. Nous devons parler d'une complication que je viens de découvrir. Je t'attendrai chez Tilda. Sa demeure s'est avérée bien pratique pour étudier la base des zéniths. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas touché à ses œuvres d'art. Alors c'est là que Tilda a tenté de t'attirer dans ses filets. Quelle était son offre? Qu'ensemble vous pourriez sauver la planète? Comme ta mère biologique chérie l'aurait voulu? Je crois que les anciens appelaient ça une publicité leurre. Elle tapote avec la promesse d'un monde magnifique, alors qu'en réalité, il est sur le point d'être détruit par Némésis et purgé de toute vie. Si t'essaies de me provoquer au sujet de Tilda, ça marchera pas. Et si tu croyais vraiment qu'on a aucun avenir, tu serais pas ici. J'attends peut-être de voir si tu parviens encore à accomplir l'impossible. À ce propos, mes préparatifs pour Némésis révèlent un nouveau problème. J'ai cherché des données potentiellement utiles dans les ruines de la base des Zéniths. Et en fouillant, j'ai découvert que 13 de nos amis de l'espace étaient descendus de l'Odyssée sur Terre. Mais on a trouvé que 12 cadavres en tout, en comptant celui de Verbena au labo. Toujours aussi doué en calcul, je vois. Mais oui, l'un d'eux a dû s'en tirer. Il s'appelle Walter Londra. Un ponte de l'aérospatiale au 21e siècle, mais aussi un genre de star. Inutile de te dire qu'il est bien trop dangereux pour qu'on le laisse en liberté. Tu dois le trouver et t'occuper de lui. Où est allé Londra, d'après toi? Sur la côte, tout au sud. Une région ravagée par les séismes et les mouvements tectoniques. Les rares Ténacs qui s'y sont aventurés l'appellent la côte embrasée. Mais il y a 1000 ans, on l'appelait Los Angeles, un pôle de la technologie et du divertissement. L'entreprise d'extraction minière de Londra, Even, y était basée. Qu'il se replie dans un lieu familier me paraît très logique. Je vais t'envoyer les coordonnées. Alors, prête à traquer notre zénith renégat? D'accord, direction la côte embrasée. Fais bien attention, Aloy. Je pense que Londra est encore plus fourbe et rusée que les autres zéniths. Ah, oh, Silence. Si je te connaissais pas, je pourrais croire que tu t'inquiètes pour moi. Aloy? J'espère que t'étais pas en train de combattre une sorte de machine géante. Salut, Beta. Je suis en route pour la côte embrasée. Ah oui, Silence nous a mis au courant pour ta mission. Sois prudente, d'accord? On sera là en cas de besoin. Promis. Merci. C'est bon, j'y suis. Le QG de Londra ne devrait pas être loin. Pas bon. Merde! Oh,
Tu étais bien en train de voler, là ? Oui, pas mon meilleur atterrissage. Ah, d'autres machines. Reste là, je m'en occupe. Attends, je peux t'aider. Voyons ce que tu sais faire. Tu vois ces cristaux brillants ? Ils explosent si on les frappe. Ouais, d'accord, j'ai compris. C'est pas mal ! Dis donc, tu sais t'y prendre ? Je m'appelle Saika. Aloy. Et je te retourne le compliment. Tu as un focus ? Tu es Quen. Mais tu ressembles pas trop aux autres devins. Comment tu sais ça ? Je suis sûre que tu as des tas de questions, juste mais d'abord... une, en fait. Je t'ai vu avant que tu t'écrases. Tu volais sur une aile des lions. Tu n'avais pas vraiment l'air de connaître cette tour, donc tu viens d'arriver. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je cherche quelqu'un. Il y a des ruines sur la colline nord-est. J'allais là-bas. Les ruines de la colline ? C'est la montée de la lune. Tu connais. Il y a un autre accès, peut-être ? Possible. Mais on va d'abord devoir s'occuper de cette tour. Je crois qu'on peut s'entraider, Aloy. La tour n'est pas très loin de là où on s'est établi. Je peux t'y emmener. Ah, attends. Tu as dit qu'on pouvait s'entraider, mais... Tu cherches quoi, toi, au juste ? Disons que... j'ai aussi affaire dans cette tour. Allez. Je vais prendre mon canot pour atteindre le campement. Au fait, qu'est-ce que tu faisais ici ? Le gouvernail du canot est en mauvais état. Je cherchais des pièces. Et parfois, chasser seul, ça fait du bien. Et voilà. Il faut juste que je fixe cette pièce que j'ai trouvée. Une minute. J'ai jamais vu un bateau de ce genre. Je l'ai fabriqué avec un spécialiste du matériel au campement. Il est très bien. Ça devrait aller. Le canot est prêt. Oh non, encore un. Wow. Comme je disais, impossible d'atteindre la montée de la lune avec cette tour. Bon, j'y vais. C'est mieux que de devoir ramer. Les ancêtres savent que j'ai eu le temps de l'améliorer. Depuis combien de temps ton peuple est ici ? Des mois. Un an, peut-être. Ça fait un moment que j'ai arrêté de compter. On a croisé cette tempête sur le Grand Océan. On a perdu la moitié de la flotte et nos repères. C'est un miracle qu'on ait même atteint la côte. Et depuis, on est bloqué ici. Je suis désolée de l'apprendre. Mais vous êtes combien, au juste ? Pas autant qu'on devrait l'être. On a rencontré d'autres ennuis depuis le naufrage. Et ceux qui restent ne sont pas tous très utiles. On dirait qu'elle peut pas arriver de tenir. Arriver avec une étrangère, ça va compliquer les choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça va aller. Suis mon exemple et laisse-moi parler. Si tu le dis... C'est là, sur ta gauche. La fin de la flotte. Charmant, ce nom.
On n'était pas très optimistes quand on a débarqué. Rien de plus. Je peux disposer ? Non. Tu vas rester ici jusqu'au retour de la traîtresse. Toi ! Et c'est parti. Excuse-moi. Visiblement, un acte de trahison ne t'a pas suffi. Tu as volé le focus d'un devin. Et tu as amené une barbare parmi nous. Typique des Quen. Arrêtez-les. Et qu'on confisque leur focus. Nous arrêter ? C'est à l'amiral d'en décider. Pas un responsable conformité. Je t'en prie. Le focus. C'est qui cette barbare ? Elle a aucune chance. Ils sont un peu tendus par ici. Disons qu'on a connu mieux. Amiral Geerit ? Je ne m'étais pas trompé. Vous en avez la preuve flagrante sous les yeux. Une soldate a osé porter le focus d'un devin. L'œil qui révèle l'héritage. Mais Seika ne s'est pas arrêtée là. Elle a amené parmi nous une barbare. Une violation de la clause de confidentialité 3A. D'après le protocole, elle doit être... Je suis peut-être notre seul espoir de trouver nos disparus, monsieur. Le focus du devin Vaï m'a montré ces derniers instants. Il y avait un indice. Les ruines de la montée de la Lune. Des signes indiquent que les nôtres s'y trouvaient. Le QG de Londra. Nous n'avons aucun moyen d'y accéder sans danger. Pas dans la situation actuelle. Mais elle a peut-être une solution. N'oubliez pas la loi. Le focus est réservé uniquement aux devins. Les actes de Seika sont inquiétants, en effet. Et ils devront bien sûr être jugés. Mais avant tout, il est primordial de retrouver notre équipage. Si Seika a la faculté de nous les ramener, il n'y a pas à hésiter. Même conformité doit le reconnaître. Je les y autorise. Seika et l'étrangère peuvent suivre cette piste. Mais monsieur, si... Étrangère, j'aimerais te parler, quand tu auras le temps. Je les hais. Tout va bien ? Je n'aurais pas dû dire ça seulement... Ma sœur fait partie des disparus. Mais ce n'est pas tout, elle est notre dernière navigatrice. Notre seul espoir de rentrer chez nous. Il faut que je la retrouve, quitte à me servir d'une relique interdite. Pendant ce temps, Reng et les autres font comme si c'était moi le problème, alors qu'en fait, je suis la seule qui cherche une solution. Écoute, je comprends. Plus que tu crois, peut-être. Mais pour l'instant, il faut qu'on reste calme et... Je suis calme! Tu as raison, évidemment. Ça ne m'aidera pas de perdre patience. Bon. On veut toutes les deux aller à la montée de la Lune. Mais apparemment, cette tour tire sur tout ce qui approche par le ciel. Par la mer aussi. Elle prend pour cible tous les navires à portée. Oh, génial.
Mais... j'ai l'impression que t'as une idée en tête pour régler le problème. Peut-être. Si on s'y met à deux, il y a peut-être un moyen. J'ai réussi à approcher de la tour à pied, mais pas suffisamment pour tirer dessus ou faire quoi que ce soit. Mais avec un peu d'aide... guide-moi jusque-là et on essaiera. Je crois que tu ferais bien de t'équiper avant. Tu peux prendre mon canot pour aller chercher des ressources. Mais surtout, reste au sud de la colonie. La tour ne peut pas tirer par là. J'ai mis des bouées pour indiquer sa portée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, je vais aller me vider la tête. Il y a un pont qui mène aux ruines sur lesquelles la tour est installée. Je t'attendrai de l'autre côté. Attends, encore une chose. Les Quen d'ici, tout ça, là. Vous faisiez partie d'une expédition plus grande, vers San Francisco. Tu étais déjà au courant ? Et tu as vu les autres, c'est ça ? Est-ce qu'ils sont tous en vie ? La plupart, oui. Je peux te mettre en contact avec eux. Mais il faut d'abord qu'on trouve les disparus, d'accord ? Ils sont en vie. Quelle bonne nouvelle. Mais oui, oui, ça attendra. Si on en parle maintenant, ça va mettre du désordre. Donc, pour le bien des disparus, c'est sur eux qu'on doit se concentrer. Bon, très bien. On se rejoint de l'autre côté du pont. Alors, une barbare pénètre dans le campement avec Seika. Et vous nous promettez de retrouver nos disparus. Au vu de notre situation, je n'ai d'autre choix que d'accepter. Mais je n'apprécie pas de confier notre destin à une étrangère. Qui es-tu ? D'où est-ce que tu viens ? Je m'appelle Aloy. Quant à mon histoire, c'est si important. Si je peux aider. Tout dépend du prix, je suppose. Seika est surveillée de près, par conformité. Et en la laissant s'en aller avec une étrangère, je lui ai peut-être fourni la corde pour se faire pendre. Personnellement, je crois qu'elle peut se débrouiller, mais... je ferai de mon mieux pour la protéger. Très bien. Dans ce cas, y a-t-il quelque chose que tu dois savoir ? Tu parles d'une situation désespérée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons traversé le Grand Océan. C'était la mission la plus importante de la tribu depuis un siècle. Ce devait être... mon chant du cygne. Ce sera surtout mon épitaphe. Nous avons croisé un typhon qui a... séparé la flotte en deux. J'ignore où est passée l'autre moitié. Éparpillée, naufragée... sûrement coulée. Je sais pas, il y a... toujours de l'espoir. Bah... après le naufrage... j'ai envoyé des navires afin d'explorer la côte. Tous disparus. Et je n'ai ni les effectifs, ni le matériel pour lancer des recherches. J'ai perdu la moitié de ma flotte, puis la moitié des survivants, alors... ne viens pas me parler d'espoir. Et pourtant... Seika a trouvé un indice sur ce focus. Tu raisonnes comme elle. Tu n'abandonnes pas. Je vais aider Seika à ramener ton équipage. S'ils sont encore en vie, protège-la si tu peux. Je devrais peut-être me réapprovisionner avant de retrouver Seika. J'ai quelques modèles qui pourraient t'intéresser. Bon, je devrais peut-être retrouver Seika et partir pour la tour. Aloy, par ici. Je suis là. Comment on accède à la tour ? Ces sentiers nous y mèneront. T'as le choix. D'accord. Allons-y. Tu en sais beaucoup sur mon peuple. Mais je ne sais presque rien de toi. Je ne sais même pas qui tu cherches à la montée de la lune. C'est un... fugitif. Allez, on ne peut rien me dire de plus. Essayons déjà d'atteindre la tour. Tellement de mystères. Oh ! Une machine en est sortie.
fait beaucoup de... Ouais, j'ai l'impression qu'on va bientôt savoir qui les a pendus. On va s'approcher. Prudemment. Ça, c'est nouveau! On va devoir s'en occuper pour entrer dans la tour. Voyons un peu ce que tu vaux. Vas-y, je t'attends. Grosse bestiole, un tas de petits copains. Voilà le travail. Ah, c'était pas si terrible. Allez, l'entrée que j'ai trouvée est par là. Par ici. Il va falloir traverser. Tu vas y arriver ? Tu vas voir. Je suis pas allée plus loin. J'ai pas trouvé de moyen de monter. Laisse-moi jeter un œil. Et voilà. Ça a l'air facile pour toi. Et ton fugitif, alors ? Je dois savoir à qui on a affaire. Ça ne peut pas être un hasard si mon peuple et lui sont à la montée de la Lune. Il s'appelle Walter Landra. C'est un zénith. Ce que les Quen appellent un ancêtre vivant. Un ancêtre vivant ? Mais attends, ça voudrait dire qu'il a plusieurs siècles ? Mais... Que la marée m'emporte. T'es sérieuse ? Si j'avais rencontré plus tôt, je serais peut-être plus avancée. Tu dois avoir une place importante dans ta tribu. En fait, je suis une paria. Oh. Je suis désolée. Je suis mieux sans eux. Et de ce que j'ai vu au campement, tu serais peut-être mieux seule aussi. J'appartiens au peuple élu. Je ne suis pas une marine lâche qui quitte le navire quand la mer s'emballe. Bon. Oublions ça. La tour a abattu une autre machine. J'ai hâte de la désactiver. Et voilà. C'est bon. On dirait vraiment l'œuvre de Londra. Wow. Comment on l'arrête, vu qu'une partie est tout en haut ? Faisons un peu le tour. Une sorte de nœud d'accès. Je peux peut-être le pirater. J'avais jamais rien vu de pareil. Mais il doit y avoir un moyen de l'arrêter. J'espère sincèrement que la tour t'a plu. Je l'ai préparée juste pour toi. Ah, génial. Un enregistrement de longueur. Parce que, contrairement à mes collègues, j'ai toujours une longueur d'avance. Ça sent pas bon. Comment on va pouvoir arrêter le truc ? Je vais la scanner. Fais ce que t'as à faire. Là, dehors et en haut. Thank you.
m'occupe du noyau. Allez, maintenant celui de devant. Je suis sortie. Maintenant, ta machine va nous amener à la montée de la lune, non ? Ouais. Je l'ai vue s'envoler quand je me suis écrasée. Je peux la rappeler. Je suis un peu plus près de retrouver ma sœur, et aussi l'ancêtre vivant que tu recherches. Mais je devrais peut-être aller faire mon rapport à l'amiral pour lui apprendre que nous avons avancé. D'accord. Je te retrouve au campement, alors. Tu sais, je suis contente que tu sois venue. Très bien, alors. On se met en route pour la montée de la lune ? Ouais, allons-y. Et maintenant ? Un problème ? Non, pas du tout. Non, c'est un peu étroit. Ça ira bien. Oh non ! La montée de la lune est sur la rive d'en face. On ne va pas tarder à savoir si cet ancêtre vivant est impliqué dans la disparition des miens. Une fois qu'on sera aux ruines, on trouvera peut-être des données que ton modèle de focus ne pourra pas lire. Je vais t'envoyer une mise à jour, pour que tu puisses voir ce qui se passe. Ah, merci. Tu as l'air à l'aise avec ton focus. C'est pour ça que t'attribues ta banni ? Pas tout à fait. Ils m'ont... banni à ma naissance. Tout ce que j'ai fait, y compris apprendre à me servir d'un focus, je l'ai fait contre leur volonté. Je connais ça. On finit par s'y faire. À quoi ? À voler à dos d'ailes des lions ? Oui, aussi. Bon, contente-toi de diriger cette chose, d'accord ? D'accord. Sur la plage, ces navires sont ceux de nos éclaireurs. On dirait qu'il y a pas mal de bâtiments sur la colline. C'est ce que le devin Vaille a vu. Essayons de suivre ces traces, alors. Je vais nous poser. Ferme. Loués soient les ancêtres. Tes amis n'ont pas débarqué ici par hasard. Je crois qu'on devrait essayer de suivre leurs traces. On dirait qu'ils ont laissé de l'équipement derrière eux. Je veux pas être du mauvais côté de ce truc. Ce sont des armes de la marine Quen. Ils ont dû les apporter ici dans un but précis. La baliste a transpercé le blindage de cette machine sans problème. Ces carreaux ont l'air plutôt solides aussi. Les miens ont dû combattre pendant qu'ils construisaient ça, mais ils ont continué. On devrait suivre leur piste. Il y a une porte là-haut, de l'autre côté du fossé. Voyons si on peut monter. On peut pas monter ici. Les grimpeurs nous en ont empêchés. Attends ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais ? On peut créer un autre chemin avec cette balise ! Oh !
Ça n'ira pas plus haut. Des progrès? Ouais, je crois qu'on est sur la bonne voie. Ton peuple a fait tout son possible pour entrer là-dedans. On dirait qu'il cherchait quelque chose. Jusqu'ici, tout était abandonné. Tu crois qu'on trouvera quelqu'un ici? On va trouver ta sœur, je te le promets. J'ai pas besoin de réconfort, tu sais. Je vais bien. Je veux aider. Des grimpeurs. Fais attention. Allons-y. Aucune machine ne m'arrêtera. C'est clairement l'ancien quartier général de l'Ombra. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu. C'est un prototype de moteur de fusée. Mais il a jamais quitté le sol. Sa conception rendait tout décollage trop dangereux. À quel point? Au point qu'il aurait empoisonné tout ce qui l'entourait s'il avait été utilisé. Oh. Continue. Alors ce moteur, il devait servir à aller dans les étoiles? J'ai entendu les devins dire que nos ancêtres pouvaient faire ça. Ouais. L'Ombra a envoyé des vaisseaux dans l'espace pour y chercher des ressources. D'accord, mais pourquoi les déterrer maintenant? On devrait continuer de suivre la piste. D'accord. Bon, voyons où nous mènent leurs traces. Ancien ici. Que pouvait-il bien chercher en ce lieu? Très bonne question. Les sceptiques prétendaient que la ville ne vendrait jamais son monument chéri. Et le prix a en effet été astronomique. Mais l'observatoire n'aurait pas pu avoir de meilleur steward que moi. C'est un QG parfait pour quelqu'un dont le regard est tourné vers les étoiles. Un enregistrement de l'Ombra avant qu'il ait quitté la Terre. Observatoire? Un endroit où on pouvait aller pour regarder les étoiles. Faro Automated Solution a augmenté ses commandes de 6 minerais non terrestres ce mois-ci. Nos stocks commencent à baisser. Qu'est-ce que tu mijotes, Ted? Un nouveau projet prometteur? Pour un monument plus à ta gloire? Alors l'Ombra était associée à Faro. Pourquoi ça me surprend pas? Encore un campement, Quinn. Abandonné. Mais où ils sont tous passés? Une fresque. C'est de l'Arkwen? Oui. Je crois que oui. Pourquoi ils laisseraient ça ici? Aucune importance. Continuons. Si tu le dis. Je crois que c'est le centre de contrôle de l'Ombra. Impressionnant. Ouais. Voyons ce qu'on peut trouver. C'est verrouillé avec un code. On va devoir trouver une autre entrée. Il y a peut-être quelque chose sur ces consoles. Accéder à l'hologramme d'ici. Y a des données ici. Voyons à quoi je peux accéder. La plupart sont corrompues.
mais certains journaux sont saufs. Je peux peut-être les lancer. J'ai trouvé Evelyn dans la salle des commandes, en train de fouiller les journaux à la recherche du code de l'ombre. Elle ignore comment elle a pu échapper à la sécurité, mais... elle n'a pas l'air en forme. Elle n'arrêtait pas de frapper à la porte de l'ombre, le suppliant de la sauver. Je lui ai dit qu'il était parti, mais elle continuait de pleurer. Ils ont dû la sortir de force. C'était le dernier enregistrement. Tout le reste date d'avant 2065. Combien de journaux t'as trouvé ? Trois. Non, quatre. On dirait que cette Evelyn pensait que le code était caché dans les données. Essayons de le trouver. D'accord. On dirait que ça a débloqué une autre console. Cet affichage retrace les différentes missions de l'Ondra sur des astéroïdes au fil des années. Et j'ai l'impression que je peux les parcourir avec mon focus, ce qui veut dire que je suis pas enchaînée à la console. Bon, je lance le premier journal. Je l'envoie aussi sur ton focus pour référence. 2050. Une année de triomphe. Cette première mission a fait taire des milliers de sceptiques. Lorsque nous avons acquis cet astéroïde, ils ont retenu leur souffle. Lorsque nous sommes rentrés avec la richesse des planètes, ils sont venus en rampant, en tendant la main. Ce vol restera à jamais dans mon cœur. Et dans l'histoire. J'ai convaincu le Conseil, la quantité de platine de ce caillou vaut bien les risques. Une fois qu'on l'aura, je ferai une bague en platine à Evelyn. Pour qu'elle porte notre succès partout où elle ira. Quel type en or ! Ah, du platine. Ça doit être la bonne mission. Mais quel est le chiffre ? Je ne sais pas. Je vais rejouer les données. J'ai convaincu le Conseil, la quantité de platine de ce caillou vaut bien les risques. Une fois qu'on l'aura, je ferai une bague en platine à Evelyn. Pour qu'elle porte notre succès partout où elle ira. Cette fois, c'est pas le numéro de vol. Ah, le journal faisait mention de la quantité de platine. Est-ce que tu trouves ? Je crois. Dis-moi quand tu seras prête pour le troisième. Fini. Très bien, le voilà. L'accident a perturbé les fourmis. Les avocats et les publicitaires affluent pour limiter les dégâts. Ils se plaignent de pertes inestimables. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque mort est une leçon sur l'excès de confiance qui nous aidera à atteindre l'excellence. Ils ne les considèrent pas comme des personnes, on dirait. Waouh ! T'as réussi ! Ça doit être le lieu de vie de l'Ondra. Au beau milieu de son espace de travail. Voyons ce qu'on peut trouver. Cette relique... c'est... une sorte d'arme ? Un cadeau d'un prétendu ami, il nous rappelle de toujours surveiller nos arrières. Je me demande ce que c'est. À quoi ça sert ? C'est une sorte de récompense, je crois. La femme de l'Ondra était assez connue à l'époque. C'est bizarre qu'il l'ait gardée. On dirait qu'il n'était pas en très bons termes à la fin. Les sentiments compliquent parfois les choses. Les journaux de sécurité du bâtiment. Il y a une entrée récente, elle date d'il y a quelques mois. Je commence à m'impatienter, Nova. La récupération des données est presque terminée. J'ai préparé le système Nord pour la diffusion. Tu récupères tout ce qui est lié à l'aéronautique et aux opérations spéciales, y compris les fichiers du PEM. En effet. Voilà. Prête pour la transmission. Quel dommage que nous devions ressusciter ce programme quand même. Oh, Nova. Ma belle, une tâche difficile nous attend, il n'y a plus de place pour l'émotionnel. Je veux que tu réduises ton empathie de 15%, je te prie. C'est bon. Modifié. Formidable. Maintenant, envoie immédiatement les données. Je veux sortir d'ici au plus vite et j'ai l'impression d'être dans un tombeau.
Tu sais ce que ça veut dire? On dirait que le système Nord est une sorte de transmetteur. Si on le trouve, on pourra peut-être localiser Landra dans le trou où il s'est erré. D'accord. Mais pourquoi il est revenu? Je t'expliquerai plus tard. Il faut trouver une issue. D'accord. Mais je m'en souviendrai. Bon, le transmetteur doit être quelque part ici. Cette grande statue a l'air intéressante. Des machines nous barrent la route. Il faut les éliminer. Des données sur quoi? Qu'est-ce qui se passait dans l'hologramme qu'on a vu? Et pourquoi Landra est venu ici, au juste? Et qu'est-ce qu'il fait avec mon peuple? Il les utilise pour fouiller cet endroit à la recherche de données. Ça parlait entre autres d'un truc qui s'appelle le PEM, mais ça me dit pas grand-chose. Pour le reste, je crois qu'il essaye de construire un vaisseau pour quitter ce monde et toucher les étoiles. Quitter ce monde? Je ne vois pas pourquoi il voudrait faire ça. Il y a quelque chose que tu me caches. Oh, en fait, tu es comme les devins, encore et toujours des secrets. Ah oui? Et toi, alors? Ta réaction devant la fresque, dans les ruines? Tu m'expliques? Bon, alors on va tenir notre langue pour l'instant. D'accord. L'important, c'est qu'on sait où est allé Landra. Et c'est là qu'il a dû emmener ton peuple. Et ta sœur. Bien sûr, t'as raison. Je devrais rentrer faire mon rapport à l'amiral avant de continuer. Je vais prendre le navire qu'on a vu depuis le ciel. D'accord, je te rejoindrai plus tard. Ah, 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 super. Est-ce que tout va bien? J'ai fait mon rapport à l'amiral. Et une partie de l'équipage a demandé à ce que je sois rétrogradée et expulsée. Je suis désolée, Seika, ça doit être très dur à encaisser. C'est pas important. Où est-ce qu'on va maintenant? Eh bien, on sait que Landra a envoyé ses données vers le continent. Au nord de là où on s'est rencontrés, en gros. Ça se fait par les airs. Alors, à ce propos, on pourrait peut-être utiliser mon canot, plutôt. T'aimes pas trop voler, hein? Je suis une marine. La navigation, ça surpasse tout le reste. D'accord. On prend ton canot. Prête à y aller? Ouais, en route. Suis-moi. Tout en douceur. Et contrairement au vol, si on tombe, on ne meurt pas. Il y a que l'océan devant nous. Et la fin de la tour sous la nuit derrière nous. Avec tous ceux qui s'y trouvent. Pourquoi tu restes auprès d'eux?
Je veux dire, je sais ce que ça fait quand... quand ta tribu est contre toi. À ta place, je serais partie il y a bien longtemps. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'étais une bonne marine. Une sœur aimante. Je me sentais à ma place. C'est ce sentiment d'appartenance qui fait ma force. Qui me permet de traverser les épreuves. C'est aussi pour ça que je peux pas tout abandonner. Je vois. Ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont de t'avoir. Ça, je sais pas. Moi, oui. On dirait que les coordonnées nous mènent droit vers cet Horus. Ce truc me terrifie. Quand le ciel est clair la nuit, on le voit qui nous domine depuis le campement. Là, sur la rive! Ce sont nos bateaux! Je suis pas bonne voie. Je nous y amène! Les coordonnées indiquent un endroit au sommet de la colline. Après toi. On dirait qu'on se dirige droit vers le démon de métal. Pourquoi Landra y a envoyé ses données? Je sais pas. C'est aussi un endroit étrange pour y amener des Quen. J'espère qu'on va les trouver. Sûrement Landra qui l'a mise en place. On dirait qu'on peut pas passer ici. Mais il y a une sorte d'appareil de l'autre côté. Je crois que je peux le scanner. Allez. Voyons ce qu'il y a là-dessus. On dirait qu'il y a quelque chose plus loin. Une sorte de complexe. Landra y est peut-être. Lui était disparu. Je ne vois aucun moyen de traverser cette barrière. Là. C'est un genre de générateur. Connecté au bras de l'Horus. Landra a trouvé un moyen d'en faire fonctionner une partie. Un démon de métal ne peut pas se réveiller, hein? Je sais pas. Mais pour l'instant, c'est sûrement comme ça que Landra alimente la barrière. Alors si on trouve un moyen d'éteindre ces générateurs, elle devrait se désactiver. Au moins, ça vaut le coup d'essayer. On dirait qu'il y en a deux pas très loin d'ici. Allez, faut s'y mettre. Landra s'est donné du mal pour alimenter ce bouclier. Les miens sont là. Ça
a marché! La barrière est désactivée! Allons-y. Ton peuple. Et une autre fresque. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous là, à attendre? On va le savoir. Seika, est-ce que tu es venue nous rejoindre? Vous rejoindre? Oui, c'est ça. Ça nous a pris du temps, mais on y est arrivé. Une barbare, l'une des élus. Impossible. Zeth ne l'accepterait jamais. Mais comment êtes-vous entrée sans lui? C'est Zeth, en fait, qui nous envoie. On l'a aidé quand il a été pris dans une embuscade, pas loin d'ici. Oui, en fait, je me dirigeais ici avec lui quand des machines nous ont attaqués. On a voulu se défendre, mais elles étaient trop nombreuses. Et c'est à ce moment-là qu'Aloy est venu nous aider. J'explorais la région quand je suis tombée sur eux. Je me suis précipitée. Vous auriez dû la voir. L'une des meilleures chasseuses de machines qui soit. Elle a même sauvé la vie de Zeth. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu. Zeth avait quelque chose d'important dont il devait s'occuper, alors... Il nous a dit de continuer sans lui. Il nous a expliqué comment baisser la barrière et il nous a dit... d'entrer directement. Zeth a eu besoin d'une barbare pour se tirer d'affaire. On a tous besoin d'un petit coup de main de temps à autre. Bon, Zeth les a laissés entrer. Et je ne voudrais surtout pas risquer de le mettre en colère. Va informer les autres de l'arrivée des nouvelles recrues, d'accord? Bien! Mais qu'elles n'entrent pas dans la salle de l'ascension tant qu'elles n'auront pas prouvé leur dévotion, comme toutes les autres ici. Et je serais curieux d'entendre la version de Zeth à son retour. Oh, évidemment. Faites pas attention à lui. Bonne chance, Seika. Que sa lumière vous illumine. Oh, c'était moins une. Je peux pas croire qu'ils soient ici de leur plein gré. Et qu'ils obéissent à Zeth. Ça a l'air d'être un type en or. Allons voir cette salle de l'ascension avant de devoir le rencontrer. Un hologramme de Lundra. Bienvenue, mes élus. Vous avez erré, souffert, mais vous n'êtes plus égarés. Je vous ai trouvé et je vous offre ce qui vous revient. L'ascension. Installez-vous. Oubliez ce que vous pensez savoir. Et profitez de cet instant. Un nouveau monde vous attend. D'accord. Ça fait beaucoup de Lundra. Alors il veut qu'on baigne dans sa lumière? Littéralement. On ferait mieux de jouer le jeu ici. J'aimerais vous présenter de vieux amis à moi. Nous étions à la plus belle fête de la ville pour célébrer notre victoire. Pendant que toute l'attention était sur moi, mon ancien associé en affaires est entré en trombe. Débordant de jalousie. Et il m'a jeté un verre au visage. Mais je n'ai pas reçu une goutte. Mon garde du corps, Jack, l'a plaqué au sol pendant que les autres, Riley, Nolan, Parker, s'assuraient de son expulsion. Mais c'est mon Evelyne qui a encouragé tout le monde à en rire. Oh, je les adorais. Leur dévouement envers moi comptait tellement, bien plus qu'une récompense. Ce fut pour moi la plus belle soirée de ma vie. Ah, c'est vous dont Brennick nous a parlé. Deux nouvelles âmes choisies pour abandonner notre vie ingrate. Oui, c'est bien nous. Tu es Kiral, c'est ça? Tu servais sur l'étincelle? Dans mon ancienne vie, oui.
Une marine parmi tant d'autres liée à une expédition sans espoir. Ah, peu importe. Comme le dit Walter, il faut oublier le passé. C'est nos souffrances qui nous ont menés ici. Et maintenant, l'ascension n'a jamais été aussi proche. Cet endroit est une pure merveille, n'est-ce pas ? J'ai jamais rien vu de pareil. Oh, mais ce n'est rien comparé à ce qu'il y a dans la salle de l'ascension. Tu y es entré, toi ? Oui. J'ai prouvé ma dévotion peu avant votre arrivée. Et j'attends d'être emmenée pour la suite des événements. Encore un peu plus près de l'ascension. Bon, merci de nous avoir parlé, Kiral. On devrait retourner s'informer sur Walter. Oui, bien sûr. Bonne chance pour vos études. J'espère vous retrouver à l'ascension. Viens, assieds-toi. J'aimerais te raconter une histoire. Jadis, j'avais un foyer dans ce monde, avec la plus belle vue de la ville. Ma femme et moi, on adorait s'asseoir et regarder les lumières scintiller dans la brume du soir. C'était notre instant de sérénité. Et puis, le temps des cendres est arrivé. Les cieux nous ont offert une issue, mais au final, moi seul ai survécu et ai trouvé le secret de l'immortalité. Evelyn et tous ceux que j'aimais sont morts. J'étais seul. C'est pour ça que je suis tellement heureux de vous avoir trouvé. Bientôt, nous passerons l'éternité dans un nouveau monde. Nous serons ensemble. Tiens, voilà notre bonne âme, avec la barbare. Tout s'explique maintenant. Le temps des cendres, les inondations du Grand Delta. On est pris au piège dans un cycle de destruction, mais bientôt, on aura un nouveau monde. Eh bien, quelle promesse ? Votre dévotion ne fait plus de doute. Vous êtes donc prêt pour la suite. Zeth vous y amènera dès qu'il sera revenu. Pas si vite. Peut-être que votre bonne action vous a mené jusqu'ici. Mais vous n'aurez aucun traitement de faveur. Walter lui-même m'a accordé le privilège de garder la salle de l'ascension. Tant que vous n'aurez pas fait votre examen et appris les mots de l'Escient, cette porte restera fermée. Aucune exception. D'accord, d'accord. Dans ce cas, on reviendra. Je crois qu'on doit passer un genre de test de dévotion envers Londra. Mais qui sait combien de temps on a avant que ce Zeth revienne. Il doit y avoir un moyen plus rapide d'apprendre ces fameux mots de l'Escient. Faisons un peu le tour. Je vais nous chercher un verre. En attendant, souviens-toi de ce qu'a dit Walter au sujet d'accueillir l'avenir. On dirait que tu ne partages pas vraiment l'enthousiasme de ton ami. Je devrais être plus joyeux, c'est ça ? C'est sain de se poser des questions. Lan était ravi qu'on entre dans la salle de l'ascension. Il est impatient de voir où on va nous emmener. Mais j'ai peur que tout ça soit trop beau pour être vrai. Alors pourquoi tu ne pars pas ? Je peux pas l'abandonner. On a traversé tellement ensemble. Nos missions, le typhon, le naufrage. Et bientôt... L'ascension, je suppose. Tu as raison de te méfier de toute cette histoire. Londra cache quelque chose. Il faut qu'on entre dans la salle de l'ascension pour comprendre quoi. Et pour faire ça, on doit connaître les mots de l'Escient. Je ne veux pas avoir de problème. Quand Zeth reviendra, il saura que je vous les ai dit.
Est-ce que c'est en lien avec une des animations de Londra? C'est très important, Otosu. Beaucoup de vies sont en jeu. C'est lié à ce qu'a dit Walter au sujet de ce qui comptait chez ses amis. C'est à propos de leur dévouement envers lui? Oui, c'est ça. Tu vois? Tout ira bien. Je sais pas, c'est peut-être une mauvaise idée. Écoute, quoi qu'ait prévu Londra pour ton peuple, ça sent mauvais. Tout le monde ici, y compris ton ami, est en danger. Mais tu peux nous aider à l'arrêter. D'accord. Répétez ça à Brennick. Grâce à la dévotion, sa lumière m'illuminera. Grâce à lui, j'ascendrai vers un nouveau monde. Merci, Otosu. Tu nous as bien aidés. J'espère que vous êtes sûr de vous. Je vous l'ai déjà dit. Personne n'aura le droit de passer sans les mots de l'Essian. Oh, on connaît les mots. Seika? Oh non. Je te laisse cet honneur, Aloy. Grâce à la dévotion, sa lumière m'illuminera. Grâce à lui, j'ascendrai vers un nouveau monde. Personne n'a jamais réussi le test de dévotion aussi vite. Eh ben, on l'a fait, alors tu veux bien te pousser. Je ne sais pas combien de temps je vais supporter Londra. Bon, voyons ce qu'il prépare vraiment. Tout ce temps, ils ne voulaient pas qu'on les trouve. C'est peut-être pas le cas de tous. Ouais, on va dire ça. À quoi tu penses? Rien. Seulement, j'espère trouver des réponses dans la salle de l'ascension. Un ascenseur. Voyons où il mène. Je crois. Pour des radiations, un truc toxique. Je pense qu'on ne craint rien pour l'instant, mais je devrais aller voir le vaisseau. Bon, dis-moi ce que tu trouveras. J'aime pas cette tête. Qu'est-ce que t'as trouvé? L'Horus. Il a un composant spécial qui peut créer presque tout ce que tu peux imaginer. Des pièces, des outils et même des machines entières. Londra l'a modifié pour l'aider à réparer son vaisseau. Mais pour que le vaisseau décolle, il lui faut beaucoup d'énergie. Bien plus que ce que Londra pourrait obtenir de base. Alors il est allé se fournir dans son ancienne entreprise. Exactement. Certaines données qu'il a retrouvées venaient du plan d'un genre de batterie. Une batterie extrêmement toxique. Si jamais ce vaisseau décolle,
Il répandra un poison qui touchera toutes les tribus de la région. Tout le monde finira par mourir. Il y a encore une chose qui m'échappe. Pourquoi Landra fait tout ça uniquement pour quitter ce monde ? Oh ! Tu recommences ! C'est clair. Je sais que tu me caches encore quelque chose. C'est mon peuple qui est mêlé à toute cette histoire. Et ma sœur, j'ai le droit de savoir. D'accord. Je vais te le dire. Mais ce ne sera pas... Bon, il est temps d'y aller. Sale menteuse ! Oh, c'est sûrement notre ami Zette. Dispersez-vous ! Les renforts ne vont pas tarder. Il est temps de vous éliminer ! Je n'ai jamais vu un canon de ce genre. Landra a dû lui donner un nouveau jouet. Zette a activé le verrouillage de cet endroit, mais il y a peut-être un moyen de le désactiver. Alors, vous restez en vie, éliminez les impostrices. Ah, c'est ça, t'as l'air sur rien. J'ai désactivé. Occupons-nous de Zette. Ils n'ont pas hésité à attaquer. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'instant, on s'occupe de Zette. Allez, affronte-moi ! Montre-toi, Zette ! Finis ton dent ! Je vais adorer vous détruire, tous les deux ! Le plaisir est partagé. Son infraction s'arrête ici. Emmener tous les autres. Réponds à sa question. Il mène les dévoués dans son parc de la péninsule sud. Vous n'y arriverez jamais. La tour là-bas est placée de façon à empêcher toute approche.
Est-ce que ma sœur est là-bas? Elle était dans le dernier groupe. Je ne suis pas censé en emmener d'autres là-bas. Mais Walter a promis l'ascension à tous ceux qui feront leur preuve. Je ne comprends pas. Nondra vous a utilisé pour obtenir ce qu'il voulait. Soyons francs, tu étais une cible facile. Trop aveuglé par ton ego pour voir la vérité. Bon, tu viens de ruiner toutes ces convictions. Donne-moi une réponse claire. Pourquoi Londra veut partir? Quelque chose va arriver sur Terre. Ça a détruit le monde que Londra a fui et ça veut faire la même chose ici. Détruire le monde? Mais qu'est-ce qui pourrait faire ça? Une sorte de machine. Une entité qu'on nomme Némésis. Et elle est bien plus puissante que tout ce que toi et moi avons affronté. C'est pour ça que Londra construit ce vaisseau. Il fait tout son possible pour partir avant que ça n'arrive. Et je suppose qu'il veut emporter certains Quen avec lui. Je sais que ça fait beaucoup à encaisser, mais il y a encore de l'espoir. Si tu le dis. C'est courageux. Il y a une plage sur la côte sud-est de l'île où on a éliminé la première tour. On ne pourra sans doute pas s'approcher plus que ça du parc. Et je pense que je vais devoir aller informer l'amiral. Lui dire... Je sais pas, mais le tenir au courant. D'accord. Je te retrouve sur la plage, alors. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Seika avait l'air... si perdu. Moi aussi. Mais pourquoi? Et comment régler ça? Je pense pouvoir en faire quelque chose d'utilisable. Voilà. Je devrais la tester quand je ressortirai. Je devrais jeter un coup d'œil aux autres Quen en passant. Walter nous a abandonnés! J'imagine que Brennick a informé tous ceux qui sont ici et que... Londra se moque bien d'eux. Elle est mort. Il doit être complètement perdu. Personne ne peut contacter Walter. Après tout ce qu'on a traversé... Quand je pense que tout ça risque de... disparaître. Désolée de t'avoir lâché ça comme ça. Au moins, t'as été honnête. On ne peut pas en dire autant de moi. Ces peintures qu'on a vues dans le bâtiment de Londra, j'ai reconnu ce style. Elles sont de ma sœur. Elle est l'une des leurs. L'une de ses disciples. Je ne voulais pas que tu le saches, ou je ne voulais pas l'admettre, plutôt. Je l'ai perdue. Elle est partie. Et j'ai l'impression d'avoir perdu ma tribu aussi. Maintenant, tu me dis que la fin du monde approche? Qu'est-ce que je suis censée faire de tout ça? Seika... Tout ça pourquoi, hein? Seika, je comprends tout à fait pourquoi tu m'as rien dit. C'est rien. Mais ta sœur... Ton peuple... Ils font partie de toi. Rien ne changera ça, tu dois te battre pour eux.
pour les sauver de Londra et peut-être aussi pour les sauver d'eux-mêmes. Et tu y arriveras. J'en suis sûre, ça fait partie de ce qui te rend... génial. Écoute, t'as pas à faire ça toute seule. D'accord ? Je vais t'aider, je te le promets. D'accord ? D'accord. Il faut qu'on trouve un moyen d'accéder à cette péninsule. Les courants, ils sont trop forts pour nager. Ouais. Et si on vole ou qu'on prend la mer, la tour nous tirera dessus. Je me disais, il y a une machine qui peut à la fois voler et plonger sous l'eau. L'aile d'Hydro. Je croyais que t'avais dit que les tours en avaient abattu plusieurs en vol. Ouais. Mais si on en montait une, on y arriverait peut-être. On pourrait plonger au bon moment pour esquiver les tirs. Tu crois que ta lance peut en dompter une ? Non. Pas encore, du moins. S'il reste des ailes d'Hydro, tu pourrais en trouver une ? On en a repéré après la destruction de la première tour. Je vais me renseigner au campement. D'accord, dis-moi quand t'auras une piste. Pour l'instant, je me penche sur le piratage. Je dois avouer que je n'attends pas ce moment avec impatience. C'est qu'à semble aller mieux. Bon. Tout va bien. Allez. Je dois pas me laisser distraire, j'ai affaire. Je vais avoir besoin d'aide pour celle-là. Hé, hey, Beta, j'ai besoin de ton aide. Gaïa et toi, vous pouvez faire en sorte que mon piratage d'aile des lions fonctionne sur une aile d'Hydro ? Le code des deux machines est plutôt similaire. On devrait pouvoir bricoler une mise à jour au terminal de fabrication. Mais il nous faut des données de régulateur de ballast et une membrane d'aile d'Hydro intacte. D'accord. En attendant, je vais tout préparer ici avec Gaïa. Sois prudente. Selon ça, il y avait des ailes d'Hydro près de la fin de la flotte. La tour des Zéniths qu'on a abattue les a anéanties en plein vol. Je pourrais plonger pour trouver des pistes. À chercher les pièces par là. Une membrane d'aile. J'ai ce qu'il me faut, je dois y aller. Beta, j'ai les pièces. Je t'envoie les données. Bien sûr. Applique-la au module de piratage de ta lance. Ça devrait marcher sur toutes les ailes d'Hydro. Merci, Beta. Quand tu veux. Bonne chance dehors. Je dois trouver un établi pour appliquer la mise à jour. Là. Seika, t'as trouvé une aile d'Hydro ? J'ai repéré un troupeau à l'extrémité sud de la fin de la flotte. Je suis en train d'y aller. C'est le moment de se ravitailler. Une fois sur place, il faudra partir tout de suite. D'accord, on se voit là-bas. Bon, c'est qu'à près de quelque part dans le coin. Alors, je suis là. Les ailes d'Hydro sont sur la plage, t'as le choix. Dès que tu auras réussi à en contrôler une, on verra si notre plan fonctionne. Thank you.
Alors, prête à... emmener cette machine au parc de l'Ombra? Oui, mais avant... Un ami m'a aidé à fabriquer ça. Ça t'évitera de te noyer. Mais... et toi, alors? Ça va aller. T'en fais pas. D'accord. On va tenter. Attends, je vais chronométrer nos plongeons pour éviter les tirs. Ça marche ? On n'est pas assez profonde. On y est presque. Attendez ! Tiens. Merci. On y va ? Ça va ? Sans ce masque. J'étais inquiète pour toi. Je vais bien. Merci. On y est. Allez, trouvons Londra et mettons fin à tout ça. Aloy, garde droit devant. Tu as vu Walter aujourd'hui ? Non. Il est enfermé dans le volcan depuis l'arrivée des derniers. Eh ben, mettons-nous en route pour ce gros volcan. On y trouvera peut-être aussi Kina. J'espère que la dernière fournée ne traînera pas. J'ai hâte d'ascendre. De quoi ? Ouais. Le nouveau monde de Walter sera un pas. Bon, on continue. Avec ce bouclier, on va devoir trouver un autre moyen d'entrer. J'espère qu'on pourra entrer. Londra Productions. Encore une de ces entreprises, j'imagine. On dirait qu'il tenait absolument à toucher à tout. Elle monte. J'hésite à aller voler des rations en plus. Oublie. Tout est sous clé. Et Feder est le seul à l'avoir. Je connais Feder. Une vraie ordure, même avant l'arrivée de Londra. Mais sa clé nous serait bien utile. Ces créatures sont vraiment originales. Cette grande créature, je crois que c'est un dinosaure. Un devin m'en a parlé une fois. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Je crois que c'était conçu pour un hologramme.
Tout ça pour quelque chose qui n'était pas réel? C'était quoi cet endroit? Je pense que les anciens avaient installé des hologrammes pour divertir le public. Mais l'endroit en lui-même était aussi une expérience de divertissement. C'est étrangement compliqué. Ça en fait des symboles. Celui-là ressemble à un volcan. Ouais. On dirait que c'est au nord-est d'ici. Des spectres. Je peux les affronter ou me faufiler dans l'herbe. J'ai déjà vu ces machines, mon focus me les a montrées. Encore plus étrange en vrai. Eh ben, voilà le volcan. Je vois pas comment ouvrir la porte. Mais il doit y avoir un moyen. Il y a une serrure sur la porte. Et une note. On doit trouver la clé pour pouvoir entrer et ouvrir la porte du volcan. Selon la note, on doit trouver ce Feder et prendre sa clé pour déverrouiller la porte. Retrouvons-le. Ne laissez passer aucun doute et tirez à vue. Comment ai-je pu ne pas rentrer ? Comment ai-je pu ne pas rentrer ? C'est ma sœur, Seika. Comment ai-je pu ne pas rentrer ? Si on déclenche le combat, elle sera en plein milieu. Comment ai-je pu ne pas rentrer ? Je suis tellement nerveuse que j'ai du mal à retenir mon texte. Fais seulement ce qu'a dit Walter. Vide ton esprit. Il faut tout oublier. Oublier tes ancêtres, ton passé, et même ta famille. Pense à lui, à la signification de ce moment. Allez, je t'écoute. Comment ai-je pu ne pas rentrer quand je suis avec toi? Oh, j'ai encore échoué. Du calme. Imagine qu'il est à nos côtés, comme... la première fois qu'on l'a vu sur la plage. Ressens la lumière de sa présence. Laisse-la t'envahir. Ensuite, dis-le. Comment ai-je pu ne pas rentrer? Quand je suis avec toi, je me sens à ma place. Je me sens chez moi. Oh, il va te choisir, toi, j'en suis persuadée. On a tous été choisis, Pyrrha. Tu auras une place dans son nouveau monde. Quoi qu'il puisse se passer. Pyrrha, Kina, il est temps. Feder, il va bientôt falloir évacuer. Compris. Deuxième escouade, vous êtes l'escorte. Et pour les autres, restez avec moi jusqu'à ce que Walter nous ordonne de partir. Kina. N'oublie pas, Feder a la clé de l'armurerie. Et c'est par là qu'on accédera au volcan. Et à Londra. Allez, achevons-le. Vous avez vu ça ? Mieux vaut aller voir. Vous avez intérêt à couvrir mes arrières. Rien à signaler.
Cette clé devrait nous permettre d'accéder à l'armurerie pour ouvrir le volcan et trouver Londra. Il a vraiment lavé le cerveau de ma sœur. Comment peut-elle être si aveugle ? Bon, quelque part là-dedans, il y a un moyen d'ouvrir la porte du volcan. Alors, je te suis. Qu'est-ce que c'est ? De la technologie des Zéniths. C'est un dispositif de stockage. Il sert à quoi ? La note semble indiquer que des cheveux ont été prélevés sur les Quen. Et des bouts d'ongles. Oh ! Burke ! Qu'est-ce que t'as trouvé ? Je crois que Londra collecte et préserve de l'ADN Quen dans ce dispositif. De l'ADN ? Vois ça comme un moyen de stocker l'essence physique d'une personne. Je t'enverrai des données. Bon, d'accord. Alors, continuons. Accueillante, cette chaise. Cette console pourrait m'être utile. Il y a un réseau ici, mais il est verrouillé. En le mettant sous tension, je pourrais le réinitialiser et y accéder. L'électricité est reçue. Le réseau doit être réinitialisé. Hé ! La porte s'est déverrouillée. J'arrive. La pomme est une orange, est une orange, est une orange. Réagissez, réagissez, réagissez. Qu'est-ce que c'est ? Le triangle est un carré, est un carré. Réagissez, réagissez, réagissez. Ça n'a aucun sens. Il ne veut pas que les Quen pensent par eux-mêmes. Je pense que c'est le PEM. Par les ancêtres, il leur lave le cerveau. Aloy, c'est toi qui as éliminé les autres membres de Zénith Lointain. Je suis heureuse que tu aies pu réinitialiser le système. Ah bon ? Oui. Ça m'a donné la possibilité de contourner plusieurs restrictions. J'ai quelque chose à te demander. Et je suis prête à vous aider en retour. Tu travailles pour Londra et tu penses qu'on va te faire confiance ? Attends. Très bien. Si tu veux nous aider, prouve-le. Aide-moi à comprendre ce qui se passe ici. Londra construit un vaisseau, il récupère du matériel génétique sur les Quen, il les soumet au PEM, une sorte de contrôle de l'esprit. Mais les autres, comme la sœur de Seika, semblent faire l'objet d'un processus de sélection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tes observations sont pertinentes. Walter prévoit de quitter la Terre. Et ce, avant que l'entité nommée Némésis n'arrive. Il veut créer une nouvelle colonie, dans un monde lointain, en utilisant l'ADN des Quen pour cloner la population. Il prévoit aussi d'emmener une poignée d'individus, soigneusement sélectionnés pour l'accompagner. Ensemble, ils formeront sa suite. Une sorte de famille qui dirigera la colonie à ses côtés. Comme des dieux ? Une comparaison qui a du sens. Sauf que seulement Walter sera en pratique tout puissant. Oui, je vois comment. Il va utiliser le PEM sur tous les autres. Exact. Sur la population ainsi que sur sa suite. Aucun d'eux ne pourra le défier. Je sais exactement comment cela fonctionne. Tu as dit que tu nous aiderais, mais en échange d'autres choses. C'est quoi ? J'ai passé pas moins de 1000 ans au service de Walter, à lui obéir pendant qu'il modifiait sans cesse ma matrice de personnalité. J'en ai assez. Il est temps de mettre fin à ma servitude. Je vous accorderai l'accès à Walter, si tu purges mon code source via ton appareil de piratage. Tu veux que je te tue ? T'en es sûr ? S'il te plaît, laisse-moi me reposer.
Très bien. J'ai déverrouillé la porte qui te mènera à Walter. Il ignore encore que vous êtes ici. Par ailleurs, j'ai désactivé les défenses aériennes et maritimes du site, au cas où vous auriez besoin de revenir. Merci. Et au revoir. Enfin, je suis libre. Alors ça n'a pas suffi à Londra de construire un vaisseau qui irradiera des milliers de gens en décollant. Il veut régner en maître sur son petit monde lobotomisé. Il faut qu'on l'en empêche, et qu'on récupère ma sœur avant qu'il soit trop tard. Je suis contente que tu sois là, Aloy. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je suis... contente d'être là aussi. Les gardes devant. Pourquoi Pyrrha est si bien placé? Qu'est-ce que Walter lui trouve? Moi, aucune idée. Je parie plutôt sur Kina. Tu l'as vu entrer dans le volcan? Même pas peur! On doit entrer là-dedans. J'espère qu'elle va venir. Ah, je suis désolée, Walter, mais je me sens pas très bien. C'est normal d'être nerveuse, ma belle. Tu veux souffler un peu? Non. Je peux le faire. Oh, très bien, alors. Détends-toi un peu. Fais une pause. Quand tu seras prête, reprends depuis le début. Comment ai-je pu ne pas rentrer? Quand je suis avec toi, je me sens à ma place. Je me sens chez moi. Bien, merci beaucoup. On va laisser Kina essayer, d'accord? Comment ai-je pu ne pas rentrer? Quand je suis avec toi, je me sens à ma place. Je me sens chez moi. Oh, toi. T'as vraiment du talent, toi, tu sais. Tu me fais énormément penser à quelqu'un que j'ai connu autrefois, mais avec une beauté particulière. Honnêtement, l'inspiration me vient quand je me tiens là, devant toi. Oh. Non, c'est plutôt toi qui m'inspire, ma belle. Non, c'est grave. Est-ce que ça t'ennuierait qu'on la refasse encore une fois? Oh. Seika, ne t'approche pas d'elle. Maintenant, je comprends mieux. La vengeresse rousse a fini par me trouver. Nova, comment cette racaille a pu t'échapper? Nova? Nova n'est plus. Elle ne t'aurait pas supporté une minute de plus, et je la comprends. Je croyais que les autres Zénith étaient méprisables. Mais toi, t'es encore au-dessus, pas vrai? Oh oui. Oui! Je suis différent des autres, oui. Entre autres choses, j'ai déterré un moyen de vous écraser comme des insectes. Oh, quel dommage. T'aurais pu être l'étoile de ma vie. Mon arme de zénith pourrait me donner l'avantage. Kina, reste où tu es!
crois qu'elle a besoin de temps pour comprendre ce qui s'est passé. Mais elle sait où se trouvent les autres membres et l'un de leurs bateaux est amarré près d'ici. On rassemble tout ce qu'on peut et ensuite on rentre. D'accord. Mais il faut que tu me rejoignes près du bunker de Londra. Il parlait de nous écraser comme des insectes et je crois pas qu'il visait ce massacre épine. Il travaille sur quelque chose de gros. Vraiment gros. Je serai là, c'est promis. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que tu... Hey. On l'a retrouvé ensemble. Saika sera là. Il faudra trouver un moyen d'atteindre Londra pour l'empêcher de mener son plan à bien. Je ferai bien de l'attendre au feu de camp. T'es là ? Je suppose que ta sœur est bien rentrée. Elle est avec la garde de l'amiral. Elle aide à faire évacuer le parc de Londra. Je devais lui donner une tâche à accomplir pour lui éviter de ruminer le passé. Pourvu que ça l'aide. Tu es prête à mettre un terme à tout ça ? Oui, il est temps. Alors allons-y. Bon, Londra est probablement dans son bunker, c'est ça ? On va devoir y retourner et... Je crois pas que Londra soit dans le bunker. Il a promis de nous écraser comme des insectes. Je crois qu'il va se servir de ça. Mais il n'a pas de signal de réactivation pour relancer les systèmes. Il lui faut une connexion plus directe. Tu crois qu'il est à l'intérieur de cette chose ? C'est sa seule option. Il faut qu'on trouve un moyen de l'empêcher de l'activer. Là. Il a l'air relié à une sorte de système de refroidissement. Si on arrive à l'endommager, ça pourrait faire surchauffer l'Horus. Ça risque d'être compliqué. D'autres machines revenues d'entre les morts ? Je ne crois pas. Londra a dû les créer avec l'Horus. Il faut faire vite. Allez. On peut passer par ici. Là. Et voilà. Bon, où est-ce que tu te caches, Aloy ? Faut l'éviter pour atteindre le système de refroidissement. Ces ruines nous couvriront. Flamme-gemme. Tu
ici. Ce n'est qu'une question de temps à l'œil. On est tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire s'il réveille la machine entière? Les Horus ne sont pas précis. On a une chance de s'en sortir. Là-haut. Où est-ce que tu te caches? C'est reparti! D'autres corrupteurs devant. On pourrait grimper au coup. On va devoir raser la falaise pour passer. On peut que monter. On va avoir du mal à passer inaperçu ici. Une distraction serait utile. On attaque en premier. Qu'est-ce que tu fabriques en bas? C'est le moment. Le système de refroidissement doit être par là. Londra a des machines corrompues. On doit les détruire. J'ai si hâte de te voir mourir. Si on peut faire surchauffer l'Horus avec ça. On doit pouvoir arrêter le refroidissement. Mon focus pourrait m'aider. Voilà. Si je détruis ça, l'Horus ne sera plus refroidi. Qu'est-ce que tu prépares? Et voilà. Là, entre l'honneur. D'accord. C'est parti. Je m'occupe de l'autre pour toi. Comment on va pouvoir arrêter ça? Là!
dessous, regarde. Il faut cibler les dissipateurs. Continue de faire diversion dans les airs. J'attaque par en dessous. Quoi ? Tu veux que je monte cette machine ? Ça prend assez vite. Bon, on entre en piste, ma jolie. Et puis on s'occupe du dissipateur. Pas si mal ce truc volant. Tu t'en sors très bien. On peut pas le laisser atteindre l'eau. Seika, il faut que tu gardes l'Horus sur la plage. Charge encore, aveugle. Éloigne-toi.
Je suis pas sûre que j'arriverai à le distraire. C'est ce que tu peux. Je crois qu'il se refroidit. On peut en profiter. Reste dans les airs, je vais voir ça. Oh, c'est pas encore fini. Attention à l'œil! Les bras de Corus se refaitent! Oh non. C'est toi et moi maintenant, Aloy. Alors, voyons de quoi tu es capable. Aloy, qu'est-ce que je fais? Reste là-haut, surveille les environs. Il a des dissipateurs thermiques sur les bras. C'est bon. Je les tire. Tu crois avoir gagné? Tu en es loin. Il se prépare à attaquer. Le dernier dissipateur a peut-être rendu la coque. Je dois y entrer et le trouver. Il ralentit. Tu peux le rattraper. Il est endommagé. Bien. Je dois entrer avant que Londra ne le répare. Une lumière. Elle doit venir de l'intérieur. Une fissure. Je pourrais passer par là. Devoir grimper. Cet engrenage devrait supporter mon poids. Attrape-moi si tu peux! Ça va là-dedans? Ça va. Et toi? Londra a essayé de m'avoir. Mais je l'ai esquivé. Tiens bon, on y est presque. Je crois que ça mène à l'avant. Thank you.
détruit, je sais qu'on va peut-être. Je dois entrer. Prononciation de la brèche de confinement dans le secteur Sagara. Ce nul doit être détourné. J'ai presque atteint. Oh, tu es là. C'est fâcheux. Meurs. Je t'ai eu. Plus que ça. Oh, j'ai d'autres cordes à mon arc. L'Andra s'est relié à l'orbe. Si je le détruis, il n'aura plus que trop. Un champ de force protège l'orbe, mais il semble alimenté par ses câbles. Qu'est-ce que tu peux faire exactement? Ça suffit maintenant! Tu veux des blocs sur corps. Je dois trouver un autre moyen de l'épuiser. C'est la fin! Dans la tête de ce monstre. J'ai besoin d'une extraction. Oui, j'arrive. Je demande ce qu'ont bien pu penser les autres en voyant ce qui s'est passé. Un démon de métal revenu d'entre les morts. Tu feras ton rapport à l'amiral pour le savoir. Vas-y, t'en fais pas. Je te rejoindrai. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Silence, c'est fini. L'Andra est mort. Excellent. J'imagine qu'il s'est bien défendu. On peut dire ça, oui. Il m'a envoyé un Horus. Vraiment? Il n'a pas dû être simple à vaincre, même pour toi. L'une des Quen m'a aidé. À ce propos, je t'envoie des données issues de l'implant de l'Andra. Essaie de trouver quelque chose. Les journaux personnels de l'Andra devraient être passionnants. Je te tiendrai informé de mes découvertes. Aloy, quand on a vu le démon de métal s'élever, c'était comme si... le temps des cendres était de retour. Quand je pense que vous avez réussi à le vaincre à deux, ça dépasse l'entendement. Et ce n'est même pas le plus grand exploit que tu aies accompli à mes yeux. Merci. Merci de nous avoir ramené nos frères et nos sœurs. Ces mots sont bien faibles, mais... nous
te sommes reconnaissants. Tout ce que je te demande, c'est d'accorder à mon ami tout le mérite qui lui revient après les risques qu'elle a pris. Tu peux compter sur moi. Il va essayer de reprendre ton focus. Je me posais la même question. Il ne faut pas. Tu en as besoin. Je vais te montrer. Seika, voici Alva. Vous allez devoir vous coordonner pour réunir l'expédition. Beta m'a tout expliqué. Je suis si heureuse de vous voir. Vous auriez dû voir ça quand j'ai dit à ceux de Vive-Terre que votre partie de la flotte avait survécu. Devinerai-je, Alva. C'est un honneur. De même. Bon, on pourra discuter des détails plus tard. Pour l'heure, vous devriez célébrer le fait que vous avez éliminé un Zénith et un Horus. Allez, filez faire la fête. Pour être franche, je suis pas douée pour les célébrations. Je sais pas par où commencer. Eh bien, moi, je suis marine, alors on commence généralement par l'alcool. D'ailleurs, je crois qu'on a de la flambée de cale. En gros, on distille tout ce qui est encore consommable dans la cale des navires. Oh, ça fait envie, dit comme ouais, ça. Ouais, il vaut mieux être habitué, alors il n'y a rien d'obligatoire. D'accord. Mais il y a une chose dont j'aimerais bien te parler. Retrouve-moi sur la falaise quand tu auras un moment. D'accord? D'accord. On se voit là-bas. Bon. Seika veut me parler. C'est bon signe. Je sais que je vais devoir bientôt partir, mais... je suis pas... encore prête à lui dire au revoir. Avant de la retrouver, je devrais peut-être... chercher sa sœur dans le campement pour voir si elle tient le coup. Salut, Kina. Je suis Aloy, on n'a pas été présenté officiellement. Oui, bien sûr. Seika m'a raconté tout ce que tu as fait pour me ramener ici. Tu dois me prendre pour une idiote. Non, Je n'arrête pas de tout ressasser dans ma tête et je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Quand Walter nous est apparu, il semblait vraiment... divin. Il avait beaucoup d'expérience dans la manipulation des gens. Des siècles, en fait. Il nous a promis un nouveau monde, où je serai à ses côtés. Quand je pense que c'était un mensonge, et que je me suis fait avoir... Je sais que ça a été dur pour toi. Et qu'il te faudra un peu de temps pour t'en remettre. Mais... souviens-toi que Seika a aussi traversé des épreuves, d'accord? Elle a risqué l'exil pour te retrouver, sans oublier la mort. Et moi, je l'ai abandonnée. Je ne sais pas si elle pourra me pardonner. Mais si. Par contre, tu vas devoir faire quelques efforts. Je ferai de mieux. Bonne chance, Kina. Bon. Seika m'attend, là où on s'est rencontrés. J'ai pas de raison d'être nerveuse, non? Mais oui, bien sûr. Voilà. Tu dois être heureuse. Tu as retrouvé ta sœur, tes camarades. Qu'est-ce que l'héroïne du jour a prévu? C'est toi qui as détruit le démon de métal de l'intérieur. Je pense que t'as de quoi être fière de toi aussi. Peut-être. Quant à la suite, l'amiral aura besoin de mon aide pour réunir notre partie de l'expédition et celle d'Alva au nord. Et après ça, je sais pas. Je suis pas sûre que tout redeviendra comme avant avec ma sœur. Ou avec mon peuple. Tu vas pas repartir avec eux? Je voudrais revoir mon foyer. Un jour. Mais tout a changé.
Les Quen ne savent pas quoi faire de moi et j'ignore où est ma place. Je crois que je sais ce que tu ressens. Ouais. Pendant longtemps, je détestais la notion de foyer. Ça faisait allusion à l'endroit où j'ai grandi. Où on voulait pas de moi. Mais en fait, au cours de ces derniers mois, j'ai réalisé... que pour moi, mon foyer n'est pas un lieu. C'est plutôt... les personnes avec qui tu veux être. Ça me plaît. Et, eh bien... de plus en plus, je me dis... que je veux être avec toi. Et j'espère que toi aussi, tu ressens la même chose. Et si c'était le cas? Je crois que je saurais quoi faire. Qui m'attend. Je sais. J'ai aussi quelque chose à régler, mais ça me suffit de savoir ce que tu ressens. Je ne sais pas quand on se reverra. Moi non plus. Mais peu importe ce qui arrive, n'oublie pas que je suis là. D'accord ? Avec l'aide de Gaïa, j'ai décrypté une partie des données que tu as envoyées. Autant dire que nous avons à parler, Aloy. Alors retrouve-moi à la base, dans ma chambre. Très bien. Tu es là. Après ton séjour chez les Quen, j'imagine qu'une conversation intelligente sera la bienvenue. Il y a des personnes plutôt uniques parmi les Quen. Si tu remettais les pieds sur terre de temps en temps et que tu parlais aux gens, tu pourrais t'en rendre compte par toi-même. J'ai mieux à faire, comme par exemple, étudier les données arrachées à Londra. T'as une piste. Tout à fait. Une note rédigée après que les Zéniths ont échappé à la destruction de leur colonie. Je vais te l'envoyer. Il y a beaucoup à analyser, mais le plus important, c'est que Londra avait une idée pour lutter contre Nemesis. Par exemple, il a fait une liste des entreprises du 21e siècle qui ont créé des systèmes d'armes de pointe. Éventuellement, nous pourrions utiliser l'une de ces armes contre l'ennemi. Je devrais enquêter sur chaque entreprise, trouver leurs locaux, dénicher leurs technologies, évaluer leur efficacité et voir si tout fonctionne encore. Et tu irais seul, c'est ça? Eh bien... je suis ravie qu'on ait trouvé quelque chose d'intéressant. Mais je me demande tout de même pourquoi tu es resté ici. Pour le défi, c'est ça? Pour nous prouver que ton intelligence n'a pas d'égal? Mes mobiles m'appartiennent. Et c'est pour ça que tu resteras seul. Aloy, la menace que représente Nemesis ne peut être affrontée seule. Tes contributions sont sincèrement inestimables.